Bon, 2020. À part ma crise d'adolescence qui finit pas de finir, puis mon vélo qui me tape ses nerfs, il s'est pas passé grand chose de mon bord. En fait, juste de la merde. Ma blonde m'a laissé. Ma mère a passé la balayeuse trop souvent. Puis surtout, j'ai rien à faire. Au moins, au mois de janvier, j'ai rencontré la belle Sarah96XOXO. On s'était juste parlé une couple de fois au téléphone, mais juste avec ses mots, je chantais qu'il était pas comme les autres. Fait qu'avec mon bike, mes affaires, puis mon courage, je suis descendu de la rive sud jusque dans Laurentides lui rendre visite. Oui. Salut. Est-ce que Sarah est là? Mike? T'es venu? Sarah? Bon, ok, j'ai menti, là, on s'était jamais vraiment parlé au téléphone. Rentre, hein? Allô, maman? Mais tu peux-tu me dire où tu es maintenant? Oui, parce que moi, je m'apprêtais à faire de lavage. Tu sauras que c'est vraiment pas une partie de plaisir, faire de lavage de tout le monde. Bon, je vais aller chez mon cousin. Yo! Yo! Puis là, j'y ai dit, c'est pas ma mère, c'est du camembert! Ah, mais tu sais, la belle Sarah, t'aurais pu te l'essayer pareil. 30 ans, pis du poil, bof. T'as-tu quelque chose contre le poil? Pas sûr. Bon, on y va-tu? Où c'est? Ben là, en ski. Ouais. C'était comment? Ah, c'était le fun. Hey, gars, c'était malade! Bon, on va te montrer comment rider les fils du Québec. Finalement, l'amour, c'est pas nécessairement ce qu'on pense. Mais je peux le dire. Je suis tombé en amour.